Nous sommes encore revenus pour vous présenter un thème qui s'appelle le théâtre, sans doute la dernière partie du programme. Mais avant cela, nous vous invitons davantage à s'abonner dans notre chaîne et à l'aimer, à la partager bien entendu. Nous sommes disposés à répondre à toute question, toute forme de situation extra. Autrement dit, nous sommes à votre entière disposition. Je vous remercie. Alors, donc nous revenons pour vous présenter encore nos salutations les plus chaleureuses. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons attaquer la dernière partie du programme. Dans le cycle secondaire, bien entendu, seconde, première, complètement, surtout terminale. Alors, nous avions travaillé avec la première phase, c'est-à-dire la poésie. Nous avons touché le roman avec vous, nous avons touché la littérature. Mais aujourd'hui, il est question de travailler sur le genre de jeu le plus simple, qui s'appelle le théâtre. Alors, qu'est-ce que le théâtre? Ne répondez jamais ici, le théâtre est un genre littéraire. Parce que si vous répondez ici, on vous posera la question, qu'est-ce que la poésie? La poésie est un genre littéraire. Qu'est-ce que le roman? Le roman est un genre littéraire. En fin de compte, qu'est-ce qu'un genre littéraire? Non. Qu'est-ce qu'il faut dire? Proposer une définition. Le théâtre est un art mimique dont la représentation se fait sur scène. Qui dit art mimique, dit forcément un art qui se fait par geste. C'est la raison pour laquelle on a dit que le théâtre est caractérisé par ses personnages. Le théâtre est aussi caractérisé par l'espace, il est caractérisé par le temps. Il est caractérisé par la structure, il est caractérisé par la parole, etc. etc. Ça, ce que je suis en train de dire dans cette phase inaugurale, ce sont les aspects du premier tour, du second tour du mois, mais on n'en est pas encore là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, comme vous l'avez vu, ce sont les fonctions du théâtre qui nous intéressent. Alors, le théâtre est très simple. Le théâtre tourne autour de deux grandes fonctions. La fonction non engagée et la fonction engagée. Qu'est-ce qu'une fonction non engagée dans le théâtre? C'est lorsque le dramaturge ne se soucie pas des problèmes de la société. C'est très simple si l'élève parvient ou bien est capable d'établir une comparaison avec la poésie ou bien le roman ou bien la tête en général. Si nous prenons le prémisse, la prémisse, c'est-à-dire la poésie est non engagée, le théâtre est non engagé. Qu'est-ce qu'une poésie non engagée? C'est lorsque le poème ne se soucie pas des problèmes de la société. Qu'est-ce qu'un théâtre non engagé? Lorsque le dramaturge ne se soucie pas des problèmes de la société. Alors, en grosso modo, ici, qu'est-ce qu'on a dans cette fonction non engagée? Nous avons d'abord la fonction diversante du théâtre ou bien la fonction distractive du théâtre, considérée comme la fonction première du théâtre. Monsieur, est-ce qu'il y a une fonction première de la poésie? C'est l'esthétique composée. La fonction de base du roman ou bien la fonction première du roman, c'est le divertissement. La fonction première de la littérature, c'est l'esthétique composée. Donc la fonction première du théâtre, c'est le divertissement. Le pourquoi? Pour la seule et simple raison, historiquement parlant, le mot théâtre vient ce qu'on appelle du latin théatron, qui signifie voir et contempler. Qui dit contempler dit admirer. Qui dit admirer dit beauté. Qui dit beauté dit forcément divertissement. Donc, si vous aimez vous tomber sur un sujet, la troisième partie qu'on vous dit, vous donnez la fonction originelle, ou bien la fonction de base, ou bien la fonction première du théâtre, dites-vous que c'est le divertissement. Alors, qu'est-ce que le divertissement? C'est lorsque le dramaturge cherche à divertir son lecteur dans le but de l'aider à se débarrasser des tracasseries de la vie quotidienne par le biais du rire. Parce que selon le dramaturge, le rire est une activité vitale chez l'homme. Après une dure journée, marquée par la concentration, marquée par la pression, l'homme est obligé d'aller chercher ce qu'on appelle l'équilibre en lisant une œuvre théâtrale. C'est la raison pour laquelle nous a dit Bertolt Brecht, un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire. Autrement dit, l'objet du théâtre est de faire plaisir au lecteur. Jean, comment il s'appelle encore? Lorsque Jean Bertolt Brecht, ce qu'on appelle la règle de la Molière confirme, je me demande si la règle de toutes les règles n'est pas de plaire. Alors, maintenant, d'autre part, le dramaturge aussi peut divertir son lecteur, pas par le biais du rythme, mais par le biais de la comédie. Parce que dans ce cas de figure, il essaie d'aider son lecteur à échanger les idées. Le théâtre est considéré ce qu'on appelle comme une thérapie contre la souffrance humaine. Le théâtre soulage, le théâtre soigne, le théâtre ce qu'on appelle amène ce qu'on appelle des remèdes pour aider son lecteur à s'équilibrer en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Brutte dit le théâtre est le premier sérum que l'homme a inventé pour sortir de la maladie de l'angoisse. Autrement dit, le théâtre a des vertus curatives. Maintenant, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le théâtre catharsis. Attention à ce théâtre catharsis. D'abord, pour le comprendre, c'est très simple. Vous avez compris l'exaltation du moi. Toutes les pensées vont converger vers la poésie lorsque l'on raconte sa vie. Il y a le roman autobiographique lorsque le romancier raconte sa vie. Le roman autobiographique et la poésie lyrique sont marqués par la présence du jeu, la présence de la première personne. Autrement dit, l'artiste, que soit le poète, que soit le romancier, il raconte leur propre vie dans le but de la partager avec ce qu'on appelle ses lecteurs. Mais le théâtre catharsis, c'est marqué par l'absence du jeu. Autrement dit, le dramaturge ne raconte pas sa vie. Il essaie de toucher la sensibilité des lecteurs par le biais des histoires sentimentales, par le biais de ce qu'on appelle des états d'âme. Il met en évidence ce qu'on appelle ces états d'âme. Autrement dit, dans le théâtre catharsis,
en aucune manière, le dramaturge ne raconte sa vie. C'est la raison pour laquelle il y a une différence considérable entre le théâtre catharsis, la poésie lyrique, le roman autobiographique, comme j'ai dit tantôt, la réflexion et la pédagogie. Là, le théâtre lyrique est marqué par l'absence du jeu. Le roman autobiographique, la poésie lyrique sont marqués par la présence du jeu. Alors ici, si nous prenons Alfred de Musset, dans On ne baline pas avec l'amour, il n'a pas raconté sa vie, mais il a tenté de toucher la cruauté de l'être humain. Plus précisément ce qu'on appelle l'homme par le biais d'une histoire marquée très émotionnelle entre Père des Camps, entre Rosette et ce qu'on appelle Camille. Malheureusement, le temps nous le permet, mais comprenez que c'est une fonction non engagée, mais c'est marqué par l'absence du jeu. C'est la raison pour laquelle très rarement l'élève va rencontrer ce genre de théâtre dans les dissertations. Maintenant, d'autre part, nous avons la fonction engagée. Revenons un peu sur la comparaison entre la poésie. Qu'est-ce qu'on a dit? La poésie est engagée lorsque le poète se soucie des problèmes de la société. Le théâtre est engagé lorsque le dramaturge se soucie des problèmes de la société. Alors, dans ce cas de figure, vous avez deux types d'engagement. L'engagement peut être didactique, ou bien éducatif, ou bien pédagogique, ou bien moral, ou bien instructif. C'est lorsque le dramaturge essaie d'aider son lecteur à se débarrasser des mauvais comportements. Le dramaturge se comporte comme nos parents vis-à-vis de ses enfants. Il met son doigt dans la patte de son modèle d'individu. Autrement dit, il prend les boules sociaux, puis dresse un diagnostic sans complaisance. C'est la raison pour laquelle Molière dit « Le théâtre est le miroir des défauts ». Confirmé par qui ? Monsieur Jean Giraudoux, dans La guerre de Troie, n'aura pas lié. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le théâtre est qu'est-ce qu'on dit ce qu'on appelle Jean Giraudoux? Le théâtre est considéré ce qu'on appelle comme un art qui semble le plus adéquat pour éduquer ce qu'on appelle ses lecteurs en quelque sorte. Alors, on est le spectacle est la seule forme d'éducation morale et artistique d'une nation et est le seul cours d'histoire valable pour vivre pour l'adulte. Autrement dit, le théâtre est un moyen d'éducation pour les sages et pour les adultes. Maintenant, d'autre part, toujours dans la fonction engagée, nous avons le militantisme. Qu'est-ce que le militantisme? C'est lorsque le dramaturge, il ne lit pas, mais il dénonce. Qu'est-ce qu'il dénonce? L'injustice, l'inacceptable. Il remet en cause ce qu'il considère comme des atteintes des droits de l'homme. Le dramaturge drame, ce qu'on appelle en porte-parole du peuple opprimé. Si nous prenons encore le théâtre négro-africain, vous prenez Maxime Debeka dans son ouvrage intitulé Le Président. Là, il attire l'attention du public, ou bien l'attention, ce qu'on appelle de la société, sur les comportements indignes, irresponsables des chefs d'État africains. C'est la raison pour laquelle, dans cette œuvre, le président, bien entendu, Maxime Debeka dit en Afrique, gouverner, c'est mentir. Il y a aussi Antigone de Jean-Louis dans le théâtre français, bien entendu, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, nous avions constaté que la France a été occupée par les Allemands. Alors, Antigone, qu'est-ce qu'il fait dans Jean-Louis, qu'est-ce qu'il fait dans Antigone? Dans cette œuvre, il appelle au peuple français à faire face à sa révolte du moins contre l'occupation allemande. Alors, lors de la Seconde Guerre mondiale, dans ce cadre de figure, nous avons ce qu'on appelle cette colonne vertébrale-là. Le non-engagement est composé du divertissement, le théâtre catharsis, lorsque le dramaturge essaie de pousser la sensibilité des lecteurs par le biais des histoires émotionnelles, ici, il essaie de vivre son lecteur. Dans la fonction engagée, le dramaturge est un éducateur. Dans la fonction engagée, le dramaturge dénonce. Est-ce qu'on peut avoir une synthèse entre le divertissement et l'engagement, bien entendu? Le pourquoi je parle de ça, je l'ai dit dans mes explications, on en très rarement on rencontre ça. Donc vous prenez le divertissement et l'engagement et vous mettez la réconciliation. Le théâtre doit être jeunesse. Là, pour mettre en valeur la complémentarité, c'est très simple. Allez la chercher du côté de la devise des classiques. Qu'est-ce que je dis? Châtier les mœurs en riant. Alors, châtier les mœurs, c'est tout simplement dire dénoncer, critiquer. En rien, votre tout simplement dire il faut divertir, et vous avez ce qu'on appelle le théâtre jeunesse. Le pourquoi j'ai l'habitude de le dire avec mes élèves en classe, bien entendu, le théâtre est le genre le plus simple. La colonne vertébrale dans les yeux, à 99% des cas pour nous autour, première partie ou bien thèse divertissement, deuxième partie engagement, troisième partie synthèse ou bien l'inverse. Première partie engagement, deuxième partie divertissement, troisième partie c'est toujours la réconciliation. Maintenant, pour confirmer ce que j'ai dit avec l'exemple d'application, Jules Renard, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit dans son journal, nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. Alors c'est très simple. Je l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo présente, bien entendu. Il y avait le mais aussi, mais aujourd'hui il y a le et. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la vie au théâtre? La vie au théâtre, ça sous-entend que le théâtre est le miroir de la vie. Le théâtre est le miroir de la société. Le théâtre tente ce qu'on appelle de s'immiscer dans la vie, soit pour éduquer, soit pour dénoncer. Autrement dit, le théâtre prend en charge les questions de la société. Qu'est-ce qu'on entend, nous voulons du théâtre dans la vie? C'est-à-dire, le théâtre est un moyen de divertissement.
Dans ce cadre, il y a amené ces deux fonctions. La première partie fait allusion à la fonction engagée, didactique ou militant, ou bien les deux à la fois. La deuxième partie, il fait allusion au divertissement. C'est la raison pour laquelle il a tenté de résumer et il met ce qu'on appelle le « et ». On pouvait avoir « fulgur » ici sans savoir, on pouvait avoir « réussi », on pouvait avoir « comme », on pouvait avoir « tel », on pouvait avoir « à la aussi ». Là, vous êtes en train de comprendre que je suis en train d'élaborer les mots qui font allusion à une double thèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'élève, il sort son sens par rapport au sujet avant de continuer. Alors, quel est le sens? Nous souhaitons un théâtre comme miroir de la société et un théâtre comme moyen de divertissement, comme moyen de divertissement. Et vous avez votre sens maintenant. Après le sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme d'habitude, là vous avez l'habitude maintenant avec la méthodologie. L'élève doit sortir la problématique. Qu'est-ce qu'on a constaté comme j'ai dit? Ça c'est la fonction engagée, ça c'est la fonction non engagée. Donc dans la problématique, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'élève nous dira que la première phase, c'est-à-dire la dernière possibilité, on va s'expliquer par le toutefois. Toutefois, le théâtre se limite-t-il à la fonction? Le théâtre se limite-t-il à la fonction engagée et divertissante? Le théâtre se limite-t-il à la fonction engagée et divertissante? Vous avez votre problème. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la consigne pour régler ce qu'on appelle les quatre premières parties de l'introduction. Dans ce cas, comme vous avez l'habitude de le dire, puisque ce sont les fonctions, c'est très simple l'assignation de votre introduction. L'essence et l'orientation des œuvres théâtrales suscitent un débat contradictoire au sein des villes lettres. Alors là, on a et. Si vous voulez vous donner raison à l'auteur, si vous voulez vous casser ce qu'on appelle le sujet en deux. Comment donner raison à l'auteur? Ainsi, certains dramaturges préfèrent prendre en charge les questions sociales et le divertissement. Les questions sociales et la distraction. C'est au jeu. Ou bien, ainsi, si de consigne, que le dramaturge doit prendre en charge les questions sociales, pour d'autres, par contre, il doit mettre en évidence le divertissement. Maintenant, vous annoncez le sujet. Regardez bien, ça c'est l'auteur. J'attire votre attention au niveau du baccalauréat. 90% des sujets qu'on donne au bac émanent de l'auteur. Là, je fais allusion aux élèves qui annoncent le sujet et omettent le nom de l'auteur. Ça ne se fait pas. C'est du suicide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reprenez les éléments du paradoxe. C'est dans cette logique que Jules Renard écrit sur son journal. Deux points, vous ouvrez les guillemets. Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. Maintenant, la troisième partie, c'est la reformulation. Vous mettez ici, autrement dit, nous souhaitons un théâtre comme miroir de la société et un théâtre comme au moins de divertissement. Alors, maintenant, après ça, l'élève doit dégager la troisième partie. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez quatre possibilités, trois possibilités du moins pour problématiser. On peut problématiser à partir du sujet si c'est possible. Mais là, je crains que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a le nous. Là, ça pose problème. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, c'est-à-dire là, au niveau de la reformulation. Mais moi, je ne l'interdis pas, mais je le déconseille aux élèves. Parce que le pourquoi, l'élève qui problématise à partir de la reformulation, admettons que l'élève a fait une mauvaise reformulation, il perd deux fois. Il a manqué sa reformulation, il a manqué sa problématique parce qu'il a problématisé à part de sa reformulation. Maintenant, il y a une troisième possibilité qui semble être la plus plausible, la plus sûre. Regardez la fonction ou bien les fonctions défendues par le sujet, n'importe quel genre de direct, et vous problématisez à partir de là. Toutefois, le théâtre se limite-t-il réellement, ici, le théâtre se limite-t-il réellement à la fonction engagée et à la fonction divertissante. Si on s'est arrêté là, l'élève qu'est-ce qu'il dira? Toutefois, le théâtre se limite réellement à la fonction engagée. Si c'était ça seulement, toutefois, le théâtre se limite réellement à la fonction divertissante. C'est toujours comme ça. C'est un conseil que je vous donne pour les moyens à part de la fonction défendue par le sujet ou bien des fonctions défendues par le sujet. Maintenant, nous sommes dans les dispositions de nous plonger au cœur de notre plan. Alors, notre consigne, bien entendu, qu'est-ce qu'on a dit? Expliquer la pensée de l'auteur en développant successivement, c'est le mot qui nous intéresse le plus. Attention à cette expression. Alors, il y a plusieurs mots qui font allusion à ça. Successivement, progressivement, respectivement.
successivement, ça sous-entend ou bien successivement, ou bien progressivement, ou bien respectivement, regardez, à chaque fois, le premier aspect est considéré comme la baisse. Le deuxième aspect est considéré comme la nuance. Même s'il y avait un troisième aspect, le troisième aspect sera la troisième partie pour nous parler de la nuance. De... Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par de la vie au théâtre, comme j'ai dit tantôt, c'est la fonction engagée. Quand dans la thèse, l'élève doit travailler avec cette fonction engagée-là. Parce qu'on a tellement dit, vous développez ce qu'on appelle successivement les deux idées. Maintenant, dans la première partie, ça est là, c'est la fonction engagée du théâtre. Maintenant, la deuxième partie est là. Nous voulons ce qu'on appelle le théâtre dans la vie. Là, ça devient forcément le divertissement. Ça devient la deuxième partie. Dans ce cadre, il faut travailler avec ce qu'on appelle cette partie-là. Quand nous avons sorti notre première partie pour nous parler de la thèse, le théâtre est engagé, on n'a rien précisé. Ça peut être didactique et militant. Ça peut être militant, ça peut être didactique. Mais là, pour ce que je donne, si vous avez cette phase, on n'a rien précisé par rapport à ce qu'on appelle à l'engagement. Si c'était à choisir, travailler sur le militantisme seulement. Deuxième choix, militantisme premier paragraphe, didactique deuxième paragraphe ou bien vice versa. Mais ne travaillez jamais avec la fonction didactique seulement. Si jamais on vous la demande dans un sujet, travaillez seulement avec ce qu'on appelle cette fonction didactique. Maintenant, après cette fonction engagée, maintenant, la deuxième partie, comme j'ai dit tantôt, c'est la nuance, c'est le de la vie, le théâtre dans la vie. Maintenant, si vous terminez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, et en proposant, ça c'est la deuxième partie. C'est-à-dire de la consigne, bien entendu, et en proposant à partir de là une définition du théâtre. C'est-à-dire, le théâtre est à la fois miroir de la société et ce qu'on appelle un aspect diversant. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que nous avons ce qu'on appelle la synthèse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt, le théâtre est le genre le plus simple. Le résumé est très simple. Divertissement comme thèse, nuance comme engagement, synthèse. Ou bien, engagement comme thèse, divertissement comme nuance, synthèse, vous avez ce qu'on appelle la réconciliation. Maintenant, avant de continuer, complétons un peu avec notre plan. Nous avons sorti thèse, c'est là, c'est l'engagement. Nuance, nous avons le divertissement. Et nous avons ce qu'on appelle la synthèse de la troisième partie. On est comme j'ai dit, après avoir dit toutefois le théâtre se limite réellement à la fonction engagée et divertissante. Pour répondre à une telle interrogation, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. D'abord, nous expliquons la direction à laquelle le théâtre est engagé. Ensuite, nous démontrons sa dimension diversante. Et enfin, nous prouvons que ces deux orientations peuvent être complémentaires. Et vous avez votre introduction normale. Maintenant, l'élève doit forcément travailler sur le développement. Mais avant le développement, toujours on peut la dernière partie. Ça veut dire ce qui pose souvent problème, la synthèse là. La réconciliation, ça existe dans le roman, ça existe dans la vraisemblance, dans les fonctions de roman bien entendu, ça existe dans la vraisemblance et l'invraisemblance, ça existe dans la poésie, ça existe dans la tête en général. Alors si vous regardez les autres vidéos, je l'avais fait avec quoi? Les fonctions du roman, avec les fonctions de la poésie, etc. Maintenant sur le tête, comme j'ai dit tantôt, je l'ai annoncé dans mes explications, vous prenez la devise des classiques. Parce que la synthèse n'est rien d'autre que la réconciliation entre la thèse et la nuance. Après avoir développé votre nuance, vous allez à la ligne, vous soulevez une ligne, vous mettez toutefois, les fonctions du théâtre ne s'expliquent pas. Au contraire, elles sont complémentaires. En d'autres termes, le théâtre est multifonctionnel. Alors, à l'image de la devise des classiques, deux points, vous ouvrez les guillemets, vous reprenez la devise des classiques, châtiez les mœurs en rien et vous utilisez. Autrement dit, le théâtre éduque. Dénonce en même temps divertit. Et vous avez votre première partie, votre troisième partie pour ne pas dire la synthèse. À chaque fois, très rarement, on a une on a aussi sur le terrain et on ne demande pas la complémentarité. Mais si jamais on ne la demande pas, l'œuvre avoir comme thèse de divertissement, nuance de militantisme, nuance de directive ou bien l'inverse. Maintenant, sur le développement, c'est très simple, hein? Il reste à argumenter. Maintenant, avant de vous laisser, prenons notre première partie de la thèse. Pour dégager la forme, ne l'oubliez pas, la phrase présentative à chaque fois, le dramaturge prend en compte les problèmes sociaux ou bien les questions sociales. Ainsi, il prend position si vous développez le militantisme. Alors, il dénonce ce qu'il considère comme des années de droit, ou autrement dit, le dramaturge remet en cause les vexations, les humiliations dont son peuple est victime. Et là, vous continuez. N'importe quelle œuvre que vous prenez, l'essentiel, cette œuvre est intéressée à ce qu'on appelle le dénoncer. Vous prenez M. Césaire dans la traite de la corruption, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé la corruption en Afrique. Il a dénoncé les coups d'État. Il a dénoncé quand même la xénophobie, le parti unique, la malversation financière. C'est la raison pour laquelle M. Césaire l'a dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que, en Afrique, à chaque fois, on a tendance à voir ce qu'on appelle les tragédies. Qu'est-ce qu'on entend par la tragédie? La tragédie, c'est-à-dire, il y a des morts, etc. C'est la raison pour laquelle il a résumé. Tant que les Africains ne changeront pas de comportement, le continent tournera toujours à la tragédie. Alors, je l'ai dit tout à l'heure avec Maxime Demeka dans le président, qui incite ce qu'on appelle le peuple à ouvrir les yeux sur les comportements irresponsables des dirigeants.
En Afrique, gouverner, c'est mentir. J'ai parlé tout à l'heure d'Antigone, de Jean-Louis, qui appelle ce qu'on appelle le peuple français à se révolter contre l'oppression allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Si vous optez pour le théâtre grec, j'ai parlé tout à l'heure de Molière. Alors, le théâtre est le miroir des défauts. J'ai parlé tout à l'heure de Jean Giraudoux. Le spectacle est la seule forme d'éducation morale et artistique d'une nation. Il est le seul cours d'histoire valable pour vieux et pour adultes. Maintenant, si vous terminez, n'oubliez pas les deux paragraphes bien entendu. L'un, le militantisme est politique. Deuxièmement, militantisme, comment dirais-je, l'aspect didactique. Maintenant, vous fermez avec ce qu'on appelle quoi, la conclusion partielle. Voici quelques arguments qui démontrent l'idée selon laquelle le théâtre est engagé. Alors, si vous terminez maintenant, attaquez votre audience avec la phrase de tension. Toutefois, le théâtre peut être divertissant. En effet, le dramaturge prend en considération le domaine distractif. Ainsi, il essaie d'aider son lecteur à se débarrasser des tracasses de la vie quotidienne, comme j'ai expliqué. Après avoir donné ce qu'on appelle votre référence sur Bertrand Brecht, comme j'ai donné dans mes explications, en bon niveau, qu'est-ce que je dis? Un théâtre où on ne rit pas avec un théâtre dont on doit rire. L'élève qui part à la ligne. En outre, il attaque un autre type de divertissement par le biais de la comédie en démontrant que le dramaturge, il essaie d'aider son lecteur à échanger des idées. Dans ce cas, le théâtre est considéré comme une thérapie contre la souffrance humaine. Le théâtre a des vertus curatives. C'est la raison pour laquelle Jean-Louis Barault a dit le théâtre est le premier salon que l'homme a inventé pour sortir de la mare de l'angoisse. Si vous terminez, fermez avec votre conclusion partielle. En somme, le théâtre est divertissant. Comme j'ai dit tantôt, vous sautez, vous faites la synthèse, vous tenez la conclusion, vous le savez mieux que moi. Nous avons ce qu'on appelle le bilan, l'opinion personnelle et la perspective. Sur le bilan, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur l'anaise, l'engagement, la nuance, le divertissement. La synthèse n'a rien à voir avec le bilan de la conclusion. Au bout du compte, leçon de cette analyse, que la mission du dramaturge est plurielle. Ainsi, si de mon soutien, prenez ce que vous avez développé au niveau de la thèse, que le dramaturge doit se soucier des problèmes de la société, pour d'autres personnes, prenez ça, il doit mettre en valeur le divertissement. Prenez votre position, l'opinion personnelle, la deuxième partie. En ce qui nous concerne, nous pensons que le dramaturge doit être le militant et l'éducateur de sa société, au lieu de s'attarder autour de la distraction. Maintenant, vous dégagez la perspective, cependant, le théâtre n'a-t-il pas d'autre fonction? Et le compte est bon. On est obligé, ce qu'on appelle de vous arrêter là. On vous donne rendez-vous dans quelques jours dans notre chaîne YouTube. Encore une fois, nous vous invitons à s'abonner davantage sur notre chaîne. Je vous remercie de votre demande.